Et bonsoir tout le monde. Bonjour. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Diana, bonsoir tout le monde, comment ça va? Ah, bien, bien, bien. Alors, mais j'ai une question pour toi. Oui. Lundi soir, tu as présenté, tu nous as parlé du roman polar de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Oui. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une autre série de romans qui est très populaire. Oui, alors c'est plus récent. Il y a Georges Simenon qui a écrit Les Aventures ou les Enquêtes du commissaire Maigret. Donc le commissaire Maigret est un personnage très connu, un petit peu plus moderne qu'Arsène Lupin. Il y a une série télévisée qui existe. Donc le commissaire Maigret a un vieux chapeau, il a une pipe et un pardessus. Alors, comme ça. Alors, mais est-ce qu'il est populaire vraiment? Oui, il est très populaire. En ce moment, un petit peu moins, parce que je pense que Lupin est en train de lui voler la vedette cette année. Mais c'est un personnage très populaire. C'est un petit peu, aux États-Unis, vous avez le détective, comment est-ce qu'il s'appelle? Columbo, n'est-ce pas? Américain. Et nous avons le commissaire Maigret. D'accord. Mais il y a des anciennes émissions maintenant qu'on peut trouver à la télé. Et donc, pour les élèves, je vous invite à faire un peu de recherche entre ces deux romans policiers français. Et si vous n'avez pas accès, par exemple, à Netflix, lisez-les plutôt. Ça, c'est encore mieux. Et s'il vous plaît, décidez lequel vous préférez et envoyez votre avis dans le Google Form. Et n'oubliez pas de nous dire pourquoi. Mais vous pouvez aussi rechercher, par exemple, quel roman policier est traduit dans le plus de langues. Ça indiquerait un peu la popularité qui gagne en popularité, peut-être. Alors, ce soir, tu vas peut-être venir plus tard nous dire encore plus au sujet de ce menu, Oui. OK? Alors, ce soir, on parle justement du courriel, du email, le fait de montrer vos compétences à pouvoir écrire à une autre personne et maintenir une conversation écrite. Donc, on va parler bien sûr des expressions syntaxiques, on va analyser des exemples de quelques élèves et les sujets de nos courriels, c'est la nouvelle technologie et les clubs littéraires qui donc tous les deux suivent les thèmes de Lupin. Voici les compétences qu'on veut, pour ainsi dire, mesurer dans le courriel. Et voici les instructions. Donc, vous avez bien sûr toujours 1 minute. Je vais les lire. Vous allez écrire une réponse à un message électronique. Vous aurez 15 minutes pour lire le message et écrire votre réponse. Donc, 15 minutes pour lire et écrire. Votre réponse devrait débuter par une salutation et terminée par une formule de politesse. Vous devriez répondre à toutes les questions et demandes du message. Dans votre réponse, vous devriez demander des détails à propos de quelque chose mentionné de quelque chose mentionné dans le texte. Donc, je vois que peut-être il y a un problème technologique, n'est-ce pas? Oui, il me D'accord. semble que j'ai un petit peu de mal à voir la Donc, présentation. je retourne au début. Pas de problème. Il faut que je le retrouve. Alors, j'appuie sur Échappe et ensuite, je ferme ici. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, ça viendra. Voilà, OK? sans souci. D'accord. Est-ce que ça va mieux? Oui, il faut simplement que tu mettes en... Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ben, je m'excuse, les élèves. Voici les deux images que je voulais vous montrer tout à l'heure où je vous ai invité de faire un peu une comparaison entre ces deux romans policiers bien connus, bien célèbres. Et peut-être après un peu de recherche, après avoir lu des extraits
après avoir peut-être regardé quelques émissions, décidez lequel vous préférez. Envoyez-nous votre avis dans le Google Form et n'oubliez pas de nous dire pourquoi. D'accord? Ensuite, je voulais retourner à ce qu'on fait ce soir. C'est qu'on va préparer le courriel. La tâche numéro 3, cette idée de pouvoir maintenir une conversation écrite. On va discuter de quelques expressions syntaxiques qui vont vous aider. On va regarder des exemples d'élèves. Et les deux sujets pour ce soir, c'est la nouvelle technologie et des clubs littéraires qui suivent, bien sûr, notre parcours Lupin et les thèmes qu'on peut trouver dans cette émission et dans ces livres. Tout à fait, puisque dans Lupin, en fait, il utilise les nouvelles technologies dans le premier épisode et aussi dans le quatrième épisode. Il y a des drones, par exemple, et puis il y a des scanners que l'on voit. Donc, il y a beaucoup de Oui. technologies dans cette émission. Et le bureau de Lupin est plein d'ordinateurs, n'est-ce pas? Moi, j'ai deux écrans devant moi. Lui, il en a, je crois, cinq ou six, on dirait, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, pour continuer, je recommence avec les instructions. Vous allez écrire une réponse à un message électronique. Vous aurez 15 minutes pour lire le message et écrire votre réponse. Donc, du début jusqu'à la fin, lire et écrire. Votre réponse devrait débuter par une salutation et terminer par une formule de politesse. Vous devrez répondre à toutes les questions et demandes du message. Dans votre réponse, vous devriez demander des détails. Ça veut dire poser une question, au moins une, à propos de quelque chose mentionné dans le texte. Vous devriez également utiliser un registre de langue soutenu. D'accord? Et voici une stratégie que notre collègue vous a proposée en automne. Peut-être pour, ça s'appelle la main, pour vous rappeler qu'est-ce qu'il faut, Les, critères qu'il faut utiliser, hein? voilà, Vas-y. les cinq parties, les cinq aspects à mettre absolument. Voilà, ce sont Exactement. les cinq choses à ne pas oublier. D'accord. Alors, bien sûr, une salutation très polie. Il faut répondre aux questions. Donc, je vous suggère qu'en lisant votre courriel, vous les soulignez. Des fois, c'est très facile à les trouver. C'est même des fois numéroté, question 1, question 2. Mais des fois, c'est au milieu d'un paragraphe. Donc, pour être sûr que vous les voyez, vous les soulignez en lisant. Troisième critère, demander des détails supplémentaires. C'est-à-dire poser au moins une question. Il faut toujours vérifier avant de terminer la lettre que vous maintenez un registre formel, c'est-à-dire vous, pas de ça va, pas de tu, d'accord? Vous écrivez à une personne que vous ne connaissez pas et ça sera toujours dans cette tâche une lettre formelle. Et bien sûr, il faut terminer avec une salutation. Et donc, sans ces critères, c'est comme si vous écriviez une lettre et que vous n'appuyez pas sur send. À ce moment-là, votre interlocuteur ne va rien recevoir et vous n'aurez pas complété la tâche. Donc, je vous suggère une stratégie. Ce n'est pas une très belle copie, mais cela pourrait peut-être vous servir. Bien sûr, vous commencez tout de suite par la salutation, mais je dirais que c'est bien de laisser un peu d'espace et puis de commencer un peu plus en bas de la page où vous commencez à répondre très brièvement à la première question. Et entre la première et la deuxième question, vous laissez encore un peu d'espace libre. Vous répondez à la deuxième question, mais il ne faut pas encore élaborer, n'est-ce pas? Si si vous arrivez à compléter les cinq critères, c'est bien. Vous devriez en principe avoir le 3,
mais il faut compléter la tâche pour pouvoir le faire. Donc, après la deuxième question, laissez encore un peu d'espace libre et puis posez votre question. Okay. Après la question, si vous voulez laisser un peu de place pour en revenir après, n'oubliez pas de réviser maintenant que tout soit au bon registre formel. Ensuite, vous écrivez votre salutation finale. Et c'est seulement après, quand vous avez fini, vous avez les 5 critères, que vous regardiez l'heure et à ce moment-là, vous pouvez retourner et peut-être dans l'espace, la toute première espace, vous écrivez un bon commencement où vous retournez à vos réponses aux questions et c'est là où vous élaborez. C'est ça ce qui différencie un 3 d'un 4 ou d'un 4 d'un 5, c'est votre niveau d'élaboration, mais il faut être sûr de compléter la lettre d'abord. Okay? Une très bonne réponse aux 2 questions sans avoir terminé la lettre, sans avoir posé votre question, ça ne vous sert pas grand-chose. Alors, entraînons-nous avec notre premier exemple. Okay? Le thème du cours, c'est la science et la technologie. C'est un message électronique de Dr. Gabrielle Côté, Gabrielle ELLE, c'est-à-dire une femme, pas Gabrielle masculin sans le LE, de l'Organisation canadienne de la science et de la technologie. Vous recevez ce message parce que votre professeur de français vous a nominé en vue d'un concours de débat et d'art oratoire organisé sur le thème de la science et de la technologie. Voici le courriel. Si vous voulez le tenter, s'il vous plaît, mettez votre chronomètre, votre minuterie pour 15 minutes. Lisez-la toute seule, ou lisez le courriel tout seul, pardon, et revenez après. Okay. Alors, chers candidats, chères candidates, nous vous contactons parce que votre professeur de français vous a nominé en vue de notre concours de débat et d'art oratoire sur le thème suivant, l'influence des sciences et des technologies dans la vie quotidienne aujourd'hui et à l'avenir. Les élèves qui seront sélectionnés se rendront à Montréal pour participer à un débat sur le thème annoncé ci-dessous. Vos réponses aux questions suivantes aideront le comité à sélectionner les candidats. Veuillez donc répondre à ces questions. Quelle invention scientifique ou technologique a le plus influencé votre vie et comment? Selon vous, quel problème de notre monde est-ce que la science et la technologie pourraient résoudre? Nous tenons à vous signaler que nous avons un nombre limité de bourses pour couvrir les frais de voyage et d'hébergement à Montréal. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements. Docteur Gabrielle Côté, directrice de recherche scientifique, Organisation canadienne de la science et de la technologie. Alors, pour vous rappeler de nouveau que vous avez Gabrielle ELLE et ensuite directrice et pas directeur, pour souligner le fait que vous écrivez à Madame, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez peut-être dire, commencer votre courriel soit par Madame, Madame la directrice, et il y a des personnes qui aiment chère Madame Côté, par exemple, avec son nom de famille. Mais nous acceptons les 3 versions. Donc, maintenant, je vais parler, on va imaginer que vous avez écrit votre schéma, vous avez laissé des espaces libres et vous avez le temps pour retourner au commencement de la réponse. Et si vous avez le temps pour pouvoir élaborer, voilà quelques suggestions pour le faire. Comme suite à votre lettre du telle et telle date, j'ai le plaisir de... En réponse à votre lettre du blabla, j'ai bien reçu votre lettre et je m'empresse de je vous remercie de votre lettre et par votre lettre du blabla, vous me demandiez. Donc, ceci n'est pas
obligatoire. C'est simplement un niveau d'élaboration que si vous avez le temps, je vous encourage de le faire. N'oubliez pas la grammaire, un peu de grammaire. Merci de m'avoir écrit en utilisant l'infinitif passé ou par exemple, je suis content d'avoir reçu votre lettre. Alors, pour regarder les deux questions que je viens de lire, lisez-les encore une fois. OK. Et je voulais juste de nouveau signaler que c'est une bonne idée de laisser ces espaces libres pour avoir le temps de revenir après ajouter des détails. OK? Pour commencer les questions, quelques expressions quant à votre première question en ce qui concerne votre proposition. En répondant à votre deuxième question, je trouve que le travail d'équipe, par exemple, au sujet 2 et concernant votre question. Donc, voilà un peu de variété pour ne pas commencer vos deux réponses de la même manière. Alors, quand vous écrivez votre réponse, si vous voulez vous préparer un peu, vous pouvez par exemple retourner à la bande-annonce de la série Lupin. Voici, vous pouvez scanner ici. Et comme Madame Colomb a dit au début de cette session, dans la première et la quatrième session de Lupin, vous allez voir beaucoup de technologies, y compris des drones à l'intérieur d'une maison, ce qui est intéressant. Okay. Et n'oubliez pas que vous avez dans l'unité 4, Madame Nettles vous a préparé un autre essai argumentatif au sujet des drones qui est très intéressant et vous pouvez retourner pratiquer. Justement, en parlant de l'essai argumentatif, quelqu'un nous a envoyé un commentaire pour vérifier le fait que si on est américain, on n'est pas obligé d'écrire un five paragraph essay. Vous n'êtes pas limité à un nombre de paragraphes. En fin de compte, très souvent, nous voyons que si vous essayez de créer trois paragraphes, on a tendance à résumer chaque source, ce qui n'est pas le cas. On veut une synthèse des sources. Donc, si vous avez quatre paragraphes en tout ou 10, cela n'a pas d'importance. Bon, on préfère des réponses un peu plus courtes parce que très souvent, ce qui est plus long n'est pas mieux, elle n'est pas meilleure. Voilà. Et donc, il n'y a pas de formule de paragraphe obligatoire requis. En revenant à ce registre formel, d'autres suggestions de vocabulaire et de phrases. En lisant votre lettre, je voudrais savoir, en réfléchissant à vos questions, j'aimerais bien savoir, pourriez-vous me dire, je m'intéresse à. Donc, vos questions, pourriez-vous, c'est cela ce qu'on veut dire quand on maintient un registre soutenu à chaque fois où vous servez du vous formel. On revient à la question, à la lettre, et on doit remarquer comment. Le courriel se termine. Ici, c'est marqué sincère salutation. Donc, ce serait mieux d'utiliser une autre expression et de ne pas répéter ce qu'on a déjà mis dans la lettre. Donc, voici quelques suggestions de formules de clôture. Okay, avec mes remerciements, meilleures salutations, respectueusement, bien sincèrement, cordialement. Je vous remercie de votre collaboration dans l'attente de votre réponse.
D'accord. Alors, parmi vous, si vous avez aussi pratiqué, pas un courriel, mais une lettre formelle ou une lettre officielle, vous avez peut-être appris une formule de politesse très longue. Par exemple, veuillez agréer mes sentiments les plus sincères, ça c'est assez court. Vous n'avez pas besoin de mettre une telle phrase dans un courriel. En général, c'est plutôt ce qu'on vient de vous montrer. Ce n'est pas mauvais de vous en servir, mais ce n'est pas commun dans un courriel. Alors, prenez un moment pour réviser la rubrique de notation pour ce qu'on appelle un strong performance. Et je vous encourage d'appuyer sur pause pour le relire. Vous avez accès à cette rubrique dans AP Classroom. Et voilà le premier exemple. Et donc, je vais le lire. Vous pouvez aussi appuyer sur pause. Chère Madame, j'ai bien reçu votre courriel et vous en remercie. Je suis enthousiaste de poser ma candidature à votre organisation pour participer dans ce concours. J'ai hâte de montrer ma capacité de parler couramment quant aux sciences et aux technologies. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'indiquer combien de jours ce débat dure à Montréal. De plus, serait-il possible pour ma famille de venir me voir si je suis choisie par votre comité? En ce qui concerne vos questions, je pense que le smartphone, le portable qui peut faire tout est l'invention plus importante de nos jours car des smartphones permettent des gens de partager des idées plus rapidement que d'ailleurs. En outre, des smartphones aident des scientifiques à parler médicaments plus efficaces s'ils soient plus connectés. Merci pour l'occasion de participer dans ce concours. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, mes salutations distinguées. OK. Donc, vous voyez que, ben, en fin de compte, je préfère pas vous le lire en anglais, donc je vais simplement cliquer et vous laisser lire. Et peut-être commenter, bien organiser. Il y a des réponses aux deux questions. On pose une question pour avoir plus de détails. Il y a une introduction. Voici, cet élève a posé plusieurs questions et cet élève a aussi donné des exemples. Tout à fait compréhensible. Mais il y a quand même quelques erreurs, mais cela n'empêche pas la compréhensibilité. Un vocabulaire bien varié et il y a ce sens de phrase idiomatique. Okay. Malgré les erreurs, il y a des exemples d'une grammaire, une bonne grammaire et quelques phrases complexes. Donc, cet élève a reçu un 5, a strong performance in interpersonal writing. Voici le deuxième exemple. Docteur Côté, merci beaucoup pour votre courriel. Je suis très heureuse que mon professeur m'a nominée. Le thème L'influence des sciences et des technologies dans la vie quotidienne m'intéresse beaucoup. À mon avis, l'ordinateur est l'invention technologique qui a le plus influencé ma vie. Avec les ordinateurs, je peux faire des recherches sur beaucoup de sujets.
aussi avec les ordinateurs, je peux communiquer avec des gens qui habitent partout le monde avec email. Sans les ordinateurs, ma vie était très différente. Je crois que oui, la technologie est magnifique, mais il cause aussi des problèmes. Beaucoup des gens, adolescents en particulier, sont accros à leur téléphone et ordinateur. Ils oublient d'apprécier leur vie et ils développent une dépendance avec la technologie. Je souhaite que je vous ai convaincu de choisir moi pour cette incroyable opportunité. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, madame, mes sentiments respectueux. Alors, voilà les commentaires. Donc, il y a quand même des réponses aux deux questions. Mais regardez, on a plutôt parlé des problèmes posés par ces inventions. Donc, on a peut-être mal compris une partie. On n'a pas posé une question à la fin, mais c'est assez compréhensible. Vocabulaire est assez basique. Et vous avez peut-être entendu quelques problèmes de grammaire qui a rendu les textes un peu plus difficiles pour moi à lire. Okay. Quand même, l'élève a tenté des phrases complexes. Et voilà, cet élève a réussi la tâche et cet élève a eu un 3. Alors, il y avait assez de bons exemples pour avoir le 3 pour réussir cette tâche. OK, voyons un autre exemple. Okay. Alors, pour votre réponse à l'exemple prochain, considérez, comme on a suggéré au début, de scanner ici et d'apprendre un peu plus au sujet de Georges Simenon et de ce roman polar et pour qu'est-ce que cela représente, ce pipe dans l'image. OK. Alors, c'est à vous, okay? On vous donne l'occasion de faire un autre courriel vous-même. C'est un message électronique de Thierry Durand, professeur à l'Alliance française. Vous recevez ce message parce que vous participez à un groupe de lecture qu'il anime. Ce professeur écrit aux membres du groupe pour organiser les réunions. Alors, je vous invite d'appuyer sur pause, mettre votre minuterie pour 15 minutes. Cette fois-ci, je ne vais pas lire la lettre pour vous, je ne vais pas lire le courriel. Mais on aimerait avoir peut-être quelques commentaires. Comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience d'écrire de vos réponses à ce courriel. Okay. Surtout parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Point culture. Donc, pour savoir un peu plus au sujet des drones, comme on a mentionné plusieurs fois, vous pouvez scanner de nouveau ces liens. On a des informations au sujet des drones au service de l'agriculture, au service de la santé au Rwanda, au service de la société civile et de la législation concernant l'utilisation des drones.
Alors, ce qu'on retient, c'est qu'il faut commencer un courriel, répondre aux questions, s'informer et demander des détails supplémentaires, parce que sinon, on risque de ne pas réussir. Voilà, vous êtes en danger de ne pas réussir. De fortes chances que vous ne réussissez pas si vous ne posez pas cette question. Il faut maintenir le registre formel. Il faut terminer le courriel. Il faut compléter la tâche. Même si vous écrivez une très, très bonne réponse à la première et deuxième question et vous êtes en milieu de la deuxième question, ce n'est pas un extrait de langue qu'on cherche. C'est la possibilité, votre capacité de faire tout un texte. OK? Un petit rappel, c'est une suggestion de vous donner l'espace pour revenir et ajouter plus de détails si vous avez le temps, une fois avoir complété la tâche. Pour continuer vos révisions de cette tâche et des thèmes de cette vidéo, on vous invite à retourner chez les vidéos de cet automne. Et on a mis des courriels aussi bien que des lettres formelles où il y a des choix multiples. Comme ça, vous avez des exemples d'autres lettres en forme de choix multiples pour pratiquer cette première partie de l'examen et aussi pratiquer l'écrit. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, Santé? Je pense que tu n'as rien oublié. Moi, je donne aussi comme conseil, lorsque l'on écrit le courriel, quand on commence en haut de la page, de mettre les salutations pour ouvrir et de mettre tout de suite tout en bas la clôture. Comme ça, on ne l'oublie pas. Parce que très souvent, les élèves sont pris par le temps, ils essayent d'ajouter des détails et ils oublient de clôturer, ils oublient le point numéro 5. D'accord. Donc, Donc, c'est une bonne suggestion. Numéro 1 et numéro 5, et puis le voilà, reste. Ça, voilà, voilà. en haut et en bas, comme ça on s'en débarrasse tout de suite parce que c'est relativement facile. Le premier, on identifie la personne à qui on écrit et une fois qu'on l'a identifié, il suffit de dire au revoir cordialement, par exemple, et ensuite on travaille le milieu du texte qui est quand même très important et ça permet de libérer l'esprit et de vraiment se concentrer sur le texte. Voilà. Comme ça, on est sûr de l'avoir fini, n'est-ce pas? Exactement, parce que s'il n'y a pas la formule de clôture, c'est embêtant. Alors que là, on est sûr d'avoir le début et la fin et on se concentre vraiment sur le milieu. Et peut-être comme ça, on se rappelle de changer la terminaison, de ne pas utiliser la même terminaison que on vient de lire dans le courriel, c'est ça? Exactement, ils sont beaucoup plus concentrés. C'est quelque chose qui est très rapide à faire et ensuite on se concentre sur le. Sur le développement du courriel, sur la réponse. D'accord. Alors, envoyez-nous vos questions et s'il vous plaît, n'oubliez pas de revenir lundi. On va passer 2 soirées à discuter la conversation et ensuite 2 soirées à préparer la comparaison culturelle. Mais on va rajouter d'autres stratégies aussi pour l'examen en tout. Et voilà. Merci bien, tout le monde. Merci, au revoir et à lundi. Passez un Ah, excellent week-end. voilà. Et j'oublie toujours si je dois cliquer là. Oui, il faut cliquer pour la diapo Voilà. suivante.